Ça fait 2 ans que nous participons à l'atelier du lecteur. C'est une activité qui nous est proposée par l'Escale du Livre. Pour notre public, c'est quelque chose de vraiment très très intéressant. Voilà, on accompagne des usagers qui viennent d'un peu partout du monde et c'est une porte ouverte, une bulle pour pouvoir découvrir dans un moment un peu délicat ce qui peut tourner tout autour du livre, d'une part par les histoires, mais aussi par du dessin. Voilà, c'est un endroit où tous nos usagers sont accueillis avec une certaine bienveillance et avec un équilibre qui leur permet vraiment de pouvoir s'épanouir, de pouvoir retranscrire des souffrances, des moments de vie par le biais du dessin. Pour cette deuxième année, même si il y a eu la problématique qui fait qu'il y a eu des interruptions, notre public a pu pleinement profiter de cet échange, d'une part avec l'illustrateur qui est le même depuis 2 ans et avec qui les échanges humains sont très très forts, et d'autre part avec toute l'équipe de l'Escale du Livre avec qui nous travaillons vraiment main dans la main, avec une évolution sur le projet d'année en année pour que ça s'adapte au mieux à notre public. Et l'Escale du Livre plus largement a permis à tous les intervenants de la structure, que ce soit les éducateurs, les assistants familiaux et les enfants, de parler de leur attrait commun, pour ne pas dire de leur amour de la lecture et des livres. Ça a permis un échange assez important autour des goûts en termes de lecture, des échanges. Ça a permis, semble-t-il, aux enfants et aux adultes qui participaient à l'atelier des lecteurs à pouvoir faire un projet commun autour du livre, de la BD, du dessin, de la peinture, des échanges, et qui ont surtout permis d'apaiser et d'apporter un peu de joie en cette période plutôt trouble. Ben, l'atelier du lecteur a permis aux jeunes de la structure d'être sensibilisés aux différents métiers du livre, donc c'est toujours intéressant avec des jeunes qui sont souvent en difficulté de se rapprocher du livre et de la lecture en général. Donc à travers les différentes séances qui ont eu lieu, ça a permis de découvrir l'édition, la bande dessinée. Le temps en librairie leur a également permis de prendre du plaisir à sélectionner un livre et de prendre du plaisir à lire les histoires qu'ils avaient choisies. De la même façon avec la mallette du livre, qui a permis une présentation des différents types de genres littéraires. Donc ça a permis de leur ouvrir l'esprit à des genres vers lesquels ils ne se tournaient pas naturellement. Du coup, c'est très enrichissant cette expérience pour la structure et pour les jeunes qui ont participé.